Jeune retraité de la banque, puisque j'ai fait ma carrière dans la profession bancaire. J'étais un militant, dès que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé jeune dans la banque. Hein. D'accord. J'ai travaillé à l'âge de un peu moins de 18 ans. Hein. Mm-hmm. Et j'ai fait carrière comme c'était courant dans ma génération. Hein. Quand on était dans une grande boîte, on y restait. Hein. Puis tout à fait. On trouvait facilement de l'emploi, c'est plus le cas aujourd'hui. Hélas, pour la jeunesse, beaucoup de choses se sont dégradées, notamment au plan social, au plan de l'emploi et plus généralement au plan social. Et donc, j'ai été assez rapidement un militant syndical. Hein, j'ai eu des responsabilités dans mon entreprise, mais aussi dans ma profession. J'ai été pendant toute une période secrétaire de la Fédération CGT des banques et des assurances en France. Et voilà, donc j'ai une carrière professionnelle assez riche, si je puis dire. pas parce que je travaillais dans la banque, hein, je suis arrivé comme petit employé, j'ai fini comme petit cadre. Hein, et voilà un peu ce qu'est mon parcours professionnel et syndicalement, j'ai beaucoup milité hein, en fait. Et parmi mon militantisme, ce qui m'a amené d'ailleurs, je fais tout de suite le lien avec la cause des droits de l'homme et en particulier... celle de mon engagement auprès de Mumia Aboujamal, c'est que je me suis beaucoup intéressé aux questions internationales et plus généralement en lien avec la situation des droits de l'homme sur cette planète, en France d'abord et plus généralement sur cette planète. Et c'est vrai que mon parcours de syndicaliste, c'était le bon lien, si je puis dire. J'avais l'habitude de me bagarrer syndicalement, de temps en temps. Pour moi, la chose la plus épouvantable qui pouvait se présenter, si je puis dire, pour un être humain qui vit sur cette planète Terre, c'est effectivement de subir des discriminations, voire des violences de toutes sortes. Hein. C'est ce qui m'a amené à me rapprocher de ce combat pour Mumia Aboujamal que j'ai découvert à la fin des années 90. Et là, à partir du moment où j'ai mis le doigt dans l'engrenage de ce que j'ai découvert ce qu'était cette affaire, je m'y suis consacré et de plus en plus consacré au point d'être aujourd'hui avec d'autres amis puisque je suis l'un des co-animateurs du collectif français de soutien Mumia Aboujamal. D'accord. Il a été créé en 1995. Alors pourquoi 1995? Parce qu'en 1995, Mumia ça faisait déjà 13 ans qu'il était en prison. Il était condamné à mort. Et en 1995, il y a eu ce qu'on appelle en droit américain la première ordonnance d'exécution prononcée à son encontre, puisqu'il avait été condamné à mort pour le meurtre d'un accusé d'avoir tué un policier, ce qu'il a toujours renié en clamant son innocence. Mais hélas, cette innocence n'a jamais été reconnue. Donc en 95, c'est surtout à partir de cette date, de cette année-là, que le cas Mumia a commencé à être popularisé en France, hein, puisqu'il était devenu, bien malgré lui, déjà un homme un peu célèbre, non pas aux États-Unis, disons autour de Philadelphie, sa ville natale, et là où il habitait, hein, et là où il exerçait le métier de journaliste de radio. Oui. Hein, donc voilà, brièvement résumé. Donc il y a eu une première mobilisation internationale à laquelle la France a participé. Enfin, les organisations de défense des droits de l'homme, la CGT, le Parti communiste français, puisque la première manif qu'il y a eu à Paris, ça avait été une manif qui avait été lancée à l'appel de Georges Marchais, d'accord, qui à l'époque était le secrétaire général du Parti communiste français, et qui avait réuni quand même, pour un illustre inconnu d'Américain, près de 10 000 personnes dans les rues de Paris. Hein. C'est resté d'ailleurs la plus importante manifestation en faveur de Mumia en France. D'accord. Combien de pays l'ont soutenu, vous savez, non, au niveau de la mobilisation internationale? Il faut qu'on
la cause des Mondiens est défendue à peu près sur tous les grands continents de la planète, mais avec avec un point fort qui est en dehors des États-Unis. Le point fort, c'est ça a été en Europe pendant depuis pratiquement dès que cette cause a été un peu connue, donc à la fin des années 90. Il y a eu beaucoup de choses. Disons, la France et les pays limitrophes de la France se sont engagés sous des formes diverses. D'accord. Hein, à la fois, alors pas au niveau institutionnel, hein, mais au niveau des militants engagés, des organisations engagées de défense des droits humains, et plus largement des syndicats, des collectifs se sont créés dans plusieurs pays. Et la particularité de la France, c'est que la France, il y a eu assez vite la constitution de collectifs locaux et régionaux, un peu partout dans le pays. Et ensuite, on a rapidement, il a fallu mettre en place, si je peux dire, une coordination. Qu'on a créé cette coordination, donc, c'est pour ça que je disais 1995, la foulée de la première manifestation qui avait eu lieu à Paris, à l'appel d'une vingtaine d'organisations. Et ensuite, ce collectif, qui s'appelait à l'époque le collectif unitaire national de soutien à Mumia Boujamal, c'est un nom un peu long, et qui s'appelle aujourd'hui le collectif français Libérons Mumia. D'accord, voilà. Ok. Je crois qu'il y a un site internet aussi. Absolument, on a un site internet depuis déjà un certain nombre d'années, depuis plus d'une quinzaine d'années, et qui est brillamment animé, et qui a été construit par un professionnel d'ailleurs du web. Et je crois que si je regarde les statistiques de fréquentation, qui est très soutenu en France, qui est très, très fréquenté, D'accord. Et qui est www.mumia, M-U-M-I-A, Boujamal. On n'a pas voulu écrire Mumia à Boujamal, il y aurait eu deux A. D'accord. Donc, c'est www.mumia.boujamal, B-U-J-A-M-A-L.com. Donc, voilà. D'accord. Où il y a tous les résumés, justement. Je crois qu'il y a une plaquette aussi. Vous avez toute l'histoire. Vous avez toute l'actualité concernant cette affaire. D'accord. Qui perdure encore 40 ans, puisqu'on appelle cette année la 40e année d'incarcération de Mumia. C'est fou. Voilà, je voulais savoir un petit peu, là, voilà, on va commencer peut-être à rentrer un peu dans la partie un peu historique. Oui. Avant son arrestation, est-ce qu'on peut faire un peu savoir qui était Mumia, justement? Il était journaliste radio. Je sais que c'était une personne très engagée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur son engagement, sur tout ça? Oui, brièvement, ce que je peux vous dire, parce qu'il il a eu une vie militante très remplie, très jeune. je ne vais pas démarrer depuis sa naissance, mais à l'âge de 16 ou 17 ans, il avait rebaptisé avec d'autres lycéens comme lui son lycée. C'était tout un symbole. Il avait rebaptisé son lycée, le lycée Malcolm X. Et il a commencé à partir de cet âge de l'adolescence, à avoir être très surveillé par la police de Philadelphie, qui était sa ville. Et rapidement, il a pris de l'envergure. Il était le porte-parole de, y compris à cet âge-là, donc très jeune, le porte-parole de la section des Black Panthers de Philadelphie. Il a été le porte-parole donc sur la ville du groupe des Black Panthers. Il a participé à beaucoup d'actions en tant que jeune, mais je crois un jeune adolescent qui est devenu bien malgré lui rapidement un adulte d'importance sur la ville, puisque toujours des actions non violentes, mais des actions déterminées contre les discriminations et contre ce qu'on appelle maintenant, y compris dans le langage populaire français, les violences policières. D'accord. Je pense que ce qu'il faut vraiment aussi pointer du doigt, c'est, vous l'avez dit, c'est des actions non violentes. Parce que souvent... Absolument. Parce que souvent à l'extérieur des États-Unis, les Black Panthers sont présentés effectivement comme un groupe armé, violent, etc. Enfin, c'est complètement l'inverse de ce qu'a été dès la création cette mouvance de révolte des Noirs américains, et qui était avant tout des gens qui condamnaient à la fois l'absence totale de politique sociale et plus grave de discrimination en tout genre, discrimination économique, sociale
et surtout raciale. Donc, On va parler de la police, justement, aussi de la répression de la police. Voilà. Mais ce que je voulais savoir, il est... En tout cas, mon gars très jeune s'est engagé dans ce monde militant. Est-ce qu'on peut parler du MOV? Le mouvement justement à quel je crois qu'il a appartenu, non, aussi à un autre mouvement. Alors, c'était tout ça pour finir son parcours de jeunesse, je dirais, et des premières années d'adulte. Il a bien qu'il était d'une famille très pauvre, de la banlieue de Philadelphie, il a réussi à il a poursuivi des études qui lui ont permis de décrocher son diplôme de journaliste, et dès qu'il a été diplômé et qu'il a commencé à rechercher de l'emploi de journaliste, ce qui n'était pas évident pour un noir américain. En tout cas, rapidement, il s'est intéressé à un certain nombre de causes qui touchaient à la fois encore toujours aux discriminations sociales, économiques et raciales. Parmi les premiers grands reportages qu'il a pu faire, et ensuite le suivi qu'il a assuré dans ces années-là, il avait 20 ans en gros, il l'a consacré à suivre tout ce qui était la persécution que subissait un groupe qu'on dirait ici d'écolos un peu anarchistes. Ça s'appelle des zadistes aujourd'hui, ce qu'on appelle les zadistes. Non, absolument pas. Non. Ah, ok. On parle du mouvement MOVE, là. Ouais, non, mais vous comparez ça justement aux écolos anarchistes. C'est pour ça que j'appelais ça un zadiste. Oui, tout à fait. Ouais. En tout cas, il s'est intéressé à cette petite communauté. Encore une fois, une communauté écolo qui défendait les valeurs déjà de l'écologie bien avant que beaucoup de gens aux États-Unis et plus généralement dans le monde mettent en avant ces questions-là, qui sont devenues aujourd'hui des questions d'une brûlante, non seulement brûlante actualité, mais aussi qui pose la question surtout de l'avenir de la planète elle-même, et donc des humains. Donc pour moi, c'est préoccupé de ces gens-là, déjà pour assurer, leur donner une dimension, puisqu'il était journaliste de radio, leur donner une visibilité, si je puis dire, sur à la fois Philadelphie et sa région, et il consacrait beaucoup de temps au rapport avec cette... Il appartenait pas à cette communauté. D'accord. Il appartenait pas, mais il a consacré rapidement, il les considère aujourd'hui comme sa famille, c'est le vocable qu'il utilise aujourd'hui, tout simplement parce que il a suivi tout leur parcours avec les horreurs que cette... Oui, voilà, je voulais en parler un petit peu. Qui a vécu, je crois qu'il y a eu un drame, ça s'est très mal fini pour eux. Il y a eu le drame, il y a eu d'abord en 1978, c'est là que Moumia a mis le pied à l'étrier, je veux dire, de regarder ce qui se passait autour de cette affaire, des mouves, là. En 1978, neuf membres de cette communauté, qui étaient des jeunes adultes, tous des jeunes adultes, ont été arrêtés dans la banlieue de Philadelphie. Ils ont été accusés d'avoir... Il y avait en fait un policier... Il y a toujours des histoires de policiers dans beaucoup d'affaires américaines qui concernent les hommes de couleur de peau noire. Ils ont été accusés d'avoir... Il y a un policier qui a été tué dans leur quartier. Et la police a arrêté 9 personnes. Ces 9 personnes ont été traduites donc en justice, ont été condamnées de 30 à 100 ans de prison, sans que la moindre preuve soit apportée sur leur responsabilité. Et en tout cas, pas la responsabilité, ils ont été condamnés collectivement, ce qui est absolument incroyable. Sans connaître quel était le criminel, en fait, qui avait tué l'homme, le policier en question, ils ont été condamnés, c'était 4 couples et une 9e personne, qui ont été condamnés donc à un siècle de prison, puisque c'était de minimum 30 ans incompressibles, et ils ont tous passé 40 ans en fait en prison, puisqu'ils sont seulement libérés depuis 2 ans là, la plupart d'entre eux. Sur les 9, il y en a 2 qui sont morts en prison sur cette très longue durée, et les autres ont été libérés les uns derrière les autres ces 2 dernières années. Donc Moumia a suivi le parcours. Et j'allais dire que ce groupe a largement renvoyé la balle à Moumia, si je puis dire, en tout cas le soutien, puisque dès que Moumia, nous sommes en 78, quand je parlais de ces gens qui ont été condamnés à 40 ans de prison, pour un crime qu'ils n'avaient pas commis, ils ont toujours revendiqué, et personne n'a pu apporter la preuve de leur implication. La preuve, c'est que 40 ans après, hélas, ils l'ont payé très cher, 40 ans après, ils ont été libérés,
sans encore une fois qu'on sache qui a tué ce fameux policier en 1978. Hein. Et alors Mumia a donc fait toute une série de reportages à l'époque. Mais Mumia, 3 ans après, parce que c'était en 1981, lui-même a été accusé de la même chose, d'avoir tué un policier. Et ensuite, l'engrenage d'un procès truqué, d'un procès sans preuve et sans possibilité de défense, c'est-à-dire, ouais. Pour Mumia, comme l'avaient été les Mouffes 3 ans avant, hein, Mumia a été condamné, lui, à mort, à 15 ans, puisqu'il s'agissait de l'homicide d'un policier. Mm. Mais les autres auraient pu aussi être condamnés à mort, hein, dans ce contexte, hein. Mm. Les Mouffes dont je viens de parler. En tout cas, les Mouffes, ceux qui étaient en prison, bah, ceux-là, ils n'étaient pas en situation militante de pouvoir le défendre facilement, mais en tout cas, cette petite communauté Mouve, hors ceux qui étaient, je veux dire, encore, encore dans leur quartier, ouais. Cette communauté a immédiatement, ça a été les premiers ouvriers, si je puis dire, de diriger le combat, tout de suite de construire un combat de solidarité avec Mumia. Mm. Et ces gens-là ont permis donc de créer progressivement d'abord une coalition sur Philadelphie qui s'est implantée au moins sur la côte est du côté de New York et sur la côte ouest en Californie, où des mouvements relativement forts de soutien à Mumia se sont tout de suite organisés pour lui venir en aide et tenter de faire en sorte qu'il puisse obtenir un nouveau procès. Mm. Hein. Nous sommes 40 ans après, il ne l'a toujours pas obtenu hein, pour l'instant. Ouais. Je voulais parler un petit peu de la police, justement, de Philadelphie. Je crois qu'elle a, elle a une vraie, vraiment une mauvaise réputation. On parle même de coups montés, hein, contre les personnalités comme Mumia. Oui, tout à fait. La police de Philadelphie a fait l'objet déjà de, dans la fin des années 90 et début des années 2000, de plusieurs rapports fédéraux, donc faits par le gouvernement américain, hein, au plan national. Hein. Des rapports qui montraient que cette police était d'une violence sans nom et en tout cas extrêmement corrompue. Hein, on parle de juges aussi d'extrême droite, non? Oui, tout à fait. Et avec le fameux FOP, l'ordre fraternel de la police, le nom est magnifique, si je puis dire. Mm. Hein. je mets tout ça entre guillemets, évidemment. L'ordre fraternel de la police est un syndicat qui n'a rien d'un syndicat ordinaire, des travailleurs, qu'ils soient policiers ou tout simplement salariés en général. Mm. Hein, ça n'a rien à voir avec le monde syndical qu'on connaît, nous. C'est effectivement un syndicat de lobbying, un syndicat d'extrême droite, un syndicat fasciste, qui n'a qu'une chose en tête, c'est effectivement par exemple, de défendre corps et âme pour les peines les plus répressives, et de défendre en particulier la peine de mort. Hein, ils n'étaient pas les seuls aux États-Unis. En tout cas, c'est un syndicat qui n'a rien d'un syndicat professionnel de salariés. C'est un syndicat qui ne sert qu'à défendre des idées de discrimination. Est-ce qu'il est proche du Ku Klux Klan? Non, officiellement, il n'y a pas de lien entre les deux. Mais bon, si je puis dire, la corde est bien fine, hein, puisqu'ils défendent dans la vie de tous les jours, dans le monde, enfin les idées qu'ils défendent sont exactement celles du Ku Klux Klan. Hein, donc, je puis dire, il n'y a pas de lien organisé entre les deux. Ouais. Le Ku Klux Klan est un mouvement d'une extrême violence et dans la société américaine, mais bon, le FOP, si je puis dire, fait encore plus de dégâts aujourd'hui dans ce qui reste que du Ku Klux Klan aux États-Unis. Mm. Hein. En tout cas, du point de vue de ce que les Américains peuvent percevoir sur le comportement de ces policiers. Et donc, je reviens un petit peu à ce syndicat maintenant qui existe sur l'ensemble des États-Unis. Mm. Il n'est pas seulement implanté à Philadelphie. Hein. C'est presque un syndicat unique de policiers. C'est comme si ici, en France, il n'y avait qu'un syndicat de policiers et qui soient tous affiliés au FOP. Hein, qui défendent les violences racistes, les violences organisées
et par des gens qui, du côté du policier, du petit policier, jusqu'à la hiérarchie, jusqu'à la hiérarchie policière, tout le monde est adhérent du FOP et tout le monde défend des idées que, en particulier, d'un racisme extrême. Hein, voilà. Ce sont, en tout cas, ce syndicat. Je finis la boucle par ce par quoi j'ai commencé. A fait l'objet donc de plusieurs rapports fédéraux dénonçant à la fois ce que les pratiques de ce syndicat et l'organisation même de ce syndicat en étroite liaison avec la hiérarchie policière d'une manière générale et avec l'appui hélas de beaucoup de politiques partout là où il est très implanté, ce qu'est le cas à Philadelphie. D'accord. Ce qu'il y avait une hypothèse, c'est que la mort justement du policier dont Mumia est accusé d'avoir assassiné, Daniel Faulkner, j'ai lu que ça serait éventuellement un règlement de compte interne au sein de cette police. Oui, c'est une des hypothèses. En tout cas, je pense que Faulkner, ce qu'on sait aujourd'hui, je veux dire, de son parcours, c'était quelqu'un d'assez ambivalent en fait. Hein, bon, c'est un policier comme un autre, hein, c'est-à-dire qu'il était d'abord raciste. Ouais. Je crois qu'il s'est trouvé aussi confronté à une série de situations personnelles où en gros tout le monde gagne sa vie aussi en étant policier, pas seulement par des moyens légaux, c'est-à-dire de toucher un salaire en tant que salarié, mais avec un tas de petites affaires personnelles qui vont du racket. Qui vont du racket à fréquentation du grand banditisme, etc. Oui. Je veux dire, ça rapporte beaucoup d'argent aussi aux policiers, ça, collectivement et individuellement. Hein. Donc, je pense que Faulkner, il a sans doute... On parle de lien avec la mafia aussi. Est-ce que... Oui, il y a une sorte de mafia, parce que c'est en fait, en gros, pour résumer, c'est en gros ce qu'est le syndicat, hein, en question. Hein. D'accord. Donc, je parle. Faulkner a eu sans doute des ennemis internes du côté de ses pairs qui lui ont effectivement plus ou moins tendu ce piège hein, qui a conduit à ce que lui soit assassiné, ce fameux policier, et à ce que Mumia a failli aussi être assassiné puisqu'il a été très grièvement blessé. Je vous le rappelle, lorsque en 1981, il y a eu cette fusillade en fin de nuit à Philadelphie, et d'un côté, il y a eu un homme assassiné qui était le policier Faulkner, et de l'autre, Mumia Abu Jamal, qui a passé ensuite 6 mois à l'hôpital, et qui, heureusement qu'il a eu cette protection d'ailleurs du corps médical, parce que on lui a collé tout de suite sur le paletot la responsabilité d'avoir tué ce policier. D'accord. Voilà. Justement, on va en arriver au procès. Est-ce que vous pouvez un peu... On parle de caricature et de déni de justice durant ce procès, alors est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, je résume toujours par une phrase qui est la suivante, c'est que tous ceux qui ont eu affaire avec quelques années plus tard, ont eu à regarder comment s'était déroulé ce procès, donc un procès à charge, Mumia n'a pas eu la possibilité de se défendre. Quelle est sa défense à ce moment-là? Parce que c'est vrai qu'on... Alors, sa défense à ce moment-là, Mumia a revendiqué le fait de pouvoir se défendre. Parce que, c'était pas quelqu'un qui avait les moyens de se payer un avocat, si je puis dire, hein, parce que ça coûte très très cher, et en tout cas, pas un avocat qui serait efficace dans la mesure où Mumia savait pertinemment que le procès durerait pas longtemps, avant même qu'il ait lieu, hein, et que aucun avocat ne pourrait faire un travail sérieux sur un délai aussi court, lui permettant de... Il disait, moi, je suis capable d'être un avocat, je suis un journaliste, d'accord, je suis capable de me défendre moi-même. Ce qui lui a été catégoriquement refusé, hein, par le juge de l'époque, et on lui a commis un avocat d'office, mais il s'est passé exactement ce que Mumia avait prévu, c'est-à-dire que l'avocat commis d'office, de toute façon, Mumia n'avait pas l'argent pour lui de lui donner les moyens d'investiguer ce qui s'était réellement passé. Hein. Je dis ça parce que c'est très important. Le cas de Mumia n'est pas un cas de ce point de vue par rapport à, à lorsqu'on est accusé de, on est accusé et surtout quand on est accusé d'avoir commis un homicide. C'est la machine infernale. Il faut disposer de beaucoup d'argent et donc pour avoir affaire à des avocats de renom. Et il y a une particularité américaine, c'est que il n'y a pas de juge d'instruction aux États-Unis.
professionnel n'est pas organisé à l'image de ce qui se pratique en France et en Europe. D'accord. Hein, et plus généralement, d'une manière plus générale, dans le monde maintenant, dans le monde d'aujourd'hui. Aux États-Unis, il n'y a toujours pas le juge d'instruction. C'est-à-dire, quand vous êtes, on vous accuse, la police vous accuse d'avoir commis un crime, hein, votre défense, c'est pas, il n'y a pas un juge d'instruction qui instruit l'affaire, donc quelqu'un d'indépendant de la police, hein, qui effectivement instruit l'affaire et ensuite la livre effectivement à l'examen par la justice, qui ensuite prend le relais de tenir procès et de condamner ou de pas condamner. Hein. Là-bas, comme il n'y a pas, donc, ce sont les avocats qui font les juges d'instruction. Et donc, pour que les avocats fassent les juges d'instruction, il leur faut beaucoup d'argent. Ils diligentent des enquêtes d'ordre privé. Toutes les enquêtes sont pratiquement à 95% d'ordre privé aux États-Unis, hein, dans des cas d'homicide. Donc, combien en fait, il avait demandé dans un premier temps, donc, à se défendre lui-même. Ça lui a été refusé, comme je viens de le dire. Il a eu un avocat commis d'office qui n'a eu que quelques jours pour prendre connaissance de l'affaire Mounia. Et en fait, bon, il était en plus, selon Mounia, hein, il n'était pas en état, c'était pas un avocat quand même de grande qualité. Ouais. Et l'affaire était tellement grave que de toute façon, il s'en serait même pas sorti, même s'il avait été un peu plus performant du point de vue de son boulot d'avocat, quoi. Ouais. Hein. Et donc, Mounia, il a été condamné en quelques semaines. Hein, c'est un procès à charge, comme je disais tout à l'heure. Alors, je vous disais tout à l'heure, tous ceux qui ont regardé un petit peu ce qui s'était passé. Et à l'échelle internationale, la Commission des droits de l'homme de l'ONU, le Parlement européen, Amnesty USA, ont tous trois ces grandes institutions ou organisations ont conduit à... c'est notamment Amnesty qui l'a traduit de cette façon. Ouais. Amnesty a fait un rapport qui a été publié au début des années 2000, c'est-à-dire 18 ans après le procès, ouais, hein, où Mounia a été condamné à mort, qui disait qu'il y avait au moins 70 raisons de droit, effectivement, pour qu'il y ait l'annulation de ce procès, qu'il y ait la révision de ce procès. D'accord. Hein, c'est énorme, vous voyez un peu la charge. Et en fait, le procès s'est déroulé donc en quelques semaines, avec que des témoins à charge. Tous les témoins qui pouvaient être, le peu de témoins qui pouvaient être à décharge de Mounia, ils ont été systématiquement écartés. Et en plus, un jury a été taillé sur mesure. Avec à l'origine, il y avait deux Afro-Américains seulement qui avaient été candidatés, et finalement ils ont été écartés. Hein. Donc il a eu affaire à un jury 100% de blancs, hein, qui en quelques jours l'ont condamné à mort. Quoi. D'accord. Au moment du procès, il n'y a rien eu en fait, il n'y avait rien dans le dossier. D'accord. Sinon de dire que c'était Mounia qui avait dans son taxi, puisque l'affaire, c'est que Mounia, économiquement, pour nourrir sa famille, son salaire de journaliste, et comme c'est un journaliste engagé, hein, si je puis dire, il n'avait pas affaire à des grandes radios, hein, lui, comme journaliste de radio. Oui. C'était déjà des radios communautaires avec, je veux dire, quelques minutes d'antenne tous les jours, ou pas toujours tous les jours. Et ça ne lui permettait pas, effectivement, d'avoir des moyens financiers pour faire vivre sa famille. Donc, Mounia, il avait opté pour, si je puis dire, les petits boulots. Et le petit boulot qu'il avait trouvé, c'était des chauffeurs de taxi la nuit. Hein. Et c'est à l'occasion qu'il s'est trouvé en fin de nuit, le jour du crime, là, du policier assassiné. Il s'est trouvé juste au carrefour, au mauvais moment, au mauvais endroit. Ouais. Dire, hein. Il en a aperçu, il venait de déposer un client. De l'autre côté du boulevard, il aperçoit effectivement les policiers, des policiers autour d'une voiture. Il a cru reconnaître, sur le coup, il n'en était pas sûr, il a cru reconnaître que c'était la voiture de son frère. C'est aussi un hasard, mais les choses, il y a parfois des hasards terribles. Hein. Il est descendu de son taxi. Il s'est rendu jusque là où, effectivement, il a reconnu que c'était bien son frère. D'accord. Il s'est pas trompé, qu'il avait les bras en l'air. À ce moment-là, il y a eu une fusillade, et c'est là que le policier a été tué, et que Mounia a été très grièvement blessé. Et effectivement, ce qui a été le procès, donc, qui s'est déroulé dans les conditions que je viens de rappeler, donc il est accusé tout de suite, puisque, comme tous les chauffeurs de taxi aux États-Unis, d'accord, il avait une arme, ouais, hein, qu'il détenait légalement, hein, parce que là-bas, il n'y a pas de problème, de ce point de vue. En tout cas, tous les chauffeurs de taxi ont une arme. Hein.
Mumia est accusé. On a dit que c'était cette arme-là qu'il avait utilisée, etc. Bon, y a, au moment du procès, il n'y avait aucune preuve. Hein. Ça a été des affirmations unilatérales. Et sur la base de ces informations unilatérales, il a été condamné par le jury de Blanc qui a prononcé la peine de mort. Hein. Voilà, c'est ça qui s'est produit. Mumia a eu de très très nombreux recours. Ouais. Depuis... à tous les niveaux judiciaires jusqu'à la Cour suprême des États-Unis à plusieurs reprises. D'accord. Mais à chaque fois il n'a pas pu obtenir la révision de son procès, donc à chaque fois la boîte s'est refermée. Mais en droit américain, si vous avez du pognon, ce qui n'est pas le cas de Mumia, mais comme les années qui ont suivi sa condamnation c'est là qu'ont démarré les collectifs de soutien et que Mumia est devenu de plus en plus connu au point que il était devenu sans doute le condamné à mort à la fin des années 90, le plus connu sur la planète. Hein, le plus connu sur la planète. Il faut se souvenir, par exemple, qu'en 2001, il y a eu le premier congrès mondial contre la peine de mort qui s'est déroulé à Strasbourg, en France. Hein. Et à cette occasion, c'est Mumia qui, par enregistrement interposé, hein, s'est adressé finalement à cette première bande d'abolitionnistes de la Terre entière qui s'était déplacée en France pour tenir ce congrès. Hein, ce congrès. Et Mumia avait ouvert, en quelque sorte, par sa parole, en racontant brièvement son histoire, depuis le couloir de la mort, où il était, qu'il a interpellé les abolitionnistes pour les encourager, effectivement, à construire cette coalition mondiale. Cette première coalition mondiale qui a vu sa naissance donc là au congrès de Strasbourg en 2001. Mmh. Et ensuite, bah, petit à petit, à la fois grâce au mouvement national aux États-Unis et international de soutien à Mumia Abou-Jamal, bon, petit à petit, on a réussi à ramasser beaucoup d'argent en fait, hein, pour qu'il ait une défense de ce nom, de faire travailler des avocats de renom, notamment un avocat, le premier qui a succédé après la condamnation à mort, un avocat de New York, qui a pris les affaires en main, et petit à petit, une équipe de défense s'est constituée, mais avec des moyens financiers, des moyens d'enquête, etc. Donc, Mumia, au fil des années, évidemment, cette défense du côté des avocats a permis... d'élucider et d'apporter tout un tas de preuves, et notamment ça a commencé par l'histoire de l'arme dont on parlait à l'instant, et qui prouvait que l'arme c'était pas de la même balistique, etc. Je veux dire, on a commencé à démonter, à détricoter tout ce qu'avait été l'accusation à l'époque, qui avait conduit à sa condamnation à mort. Hein. Et effectivement, depuis ce temps-là, s'est construit un énorme dossier de défense. Hein, et depuis ce temps-là, bien qu'il y ait eu des recours, Mumia n'a quand même pas pu obtenir satisfaction sur la possibilité de révision. Et donc, il a fallu attendre, effectivement, 2018, fin 2018, début 2019, pour qu'enfin, un juge considère qu'effectivement, tous les éléments qui étaient déjà maintenant connus, mais qui ne l'étaient pas au moment du procès en 1982, méritaient effectivement de donner la chance à Mumia de pouvoir, à défaut de défendre son innocence, parce qu'on n'était pas encore là, au moins qu'il puisse défendre l'idée que il méritait à minima effectivement à minima d'être écouté par la justice de Pennsylvanie, puisqu'il a été condamné selon les lois de la Pennsylvanie, hein, lesquelles lois et constitution prévoient la peine de mort, ce qui n'est pas le cas de tous les États américains, en tout cas d'obtenir nous sommes, comme je le traduis souvent, sur l'avant, ce qu'il a obtenu, c'est l'avant-dernière marche avant la révision du procès. Hein, c'est de savoir si on lui donne un droit d'appel ou pas. Et pour la première fois en 2018, donc, début 2019, un juge, après une longue procédure qui a duré de près de 2 ans, a fini par reconnaître qu'il y avait quand même beaucoup de choses douteuses dans ce dossier et que ça méritait un nouveau procès. C'est comme ça qu'il a obtenu un droit d'appel pour la première fois. Je voulais parler un petit peu de son incarcération, donc 30 ans dans le couloir de la mort. Oui. Comment cet homme a tenu le coup, en fait? Voilà. Est-ce que vous savez l'impact que ça a eu sur lui et comment il a réussi à conserver justement cette force? Voilà. Ah, parce que Mumia, la grande chance qu'il a eue dans sa vie, c'est ses études de journaliste. Il était une sorte militant intellectuel pour le monde, notamment des Afro-Américains.
vous rappelle qu'il était dans tout ce qu'il a pu écrire depuis et ce que nous, on a pu aussi écrire de notre côté, les soutiens à Mumia, c'est que quand il était, dès qu'il a commencé de son travail, est un peu connu en tant que journaliste de radio, il a été dans ses confrères à Philadelphie, ses confrères journalistes l'ont appelé la voix des sans-voix, ce qui voulait dire, c'était tout un symbole hein, de ce que c'est, y compris son engagement de journaliste, de militant, il la met au service de son métier de journaliste, en fait. Hein, et donc, là, il s'est préoccupé des mouves et de beaucoup d'autres choses pour défendre les discriminés et surtout pour combattre le racisme. Au sein de sa cellule, hein. Au sein de sa cellule. Oui, depuis sa cellule. Mm. Ce qui fait qu'à peine était-il incarcéré dans le couloir de la mort, qu'il s'est mis tout de suite aussi à dos l'administration pénitentiaire. Puisque, par exemple, il a écrit son premier bouquin qui s'appelle En direct, en français, En direct du couloir de la mort. Au bout de 2 à 3 ans passés dans le couloir de la mort, il a écrit un bouquin. D'accord. Il a écrit un bouquin. Il se trouve dans le commerce encore ? On peut le retrouver ? On peut le retrouver, ce livre ? Ah ben, sans problème. Ouais, hein, je peux même vous en envoyer un. Il n'y a pas de souci. D'accord. Hein, on l'a fait éditer en France parce qu'on a presque réussi en France. On a parmi dans le combat, on reviendra tout à l'heure sur les moyens de soutien financier, hein, notamment. Mm. On a aussi traduit la plupart de ses bouquins. D'accord. Hein, puisqu'il en a écrit beaucoup d'autres derrière. Mais celui-là, c'est devenu un best-seller aux États-Unis. Mm. Hein. Il a été vendu à plus d'un million d'exemplaires. Mm. Et c'est absolument incroyable. Un condamné à mort, qu'est-ce qu'il sait ? Il décriait le couloir de la mort. Hein. Il expliquait ce que c'était le couloir de la mort aux États-Unis. Hein. Et donc, il a consacré, toutes ces années, il s'est consacré, je crois que c'est ça sa force, il a consacré tout son intellect, et il l'a gardé intact, ça je peux vous dire encore aujourd'hui, et finalement à écrire et à lire. D'accord. Hein. Il n'a fait que ça. Il n'a fait que ça, mais comme il dit, vous êtes dehors, vous militez, entre autres pour me défendre, pour me soutenir, hein. Mais il dit, moi à l'intérieur, eh ben, moi je fais mon boulot, je continue de faire mon boulot de journaliste. Mmh. Dans des conditions pas faciles, mais bon, je fais mon boulot de journaliste. Je sais qu'il a attrapé l'hépatite C, et que c'est une maladie qui est assez courante au sein des prisons aux États-Unis. Et ce qui est assez dramatique, c'était de savoir que l'administration empêche les prisonniers d'être soignés. Donc, je ne sais pas si vous pouvez en toucher 2-3 mots. Oui, oui. Ça remonte à ces 4 ou 5 dernières années. Ouais. Effectivement, donc Mumia a connu des moments particulièrement difficiles. Il a failli perdre la vie hein, à ce moment-là. Effectivement, il a commencé à avoir des... en tout cas, bon, il se sentait pas bien parce que c'est un gars qui tant qu'il a été dans le couloir de la mort, il a eu cette chance aussi, c'est qu'il a quasiment jamais été malade. Mmh. Hein. Donc, au-delà de son investissement intellectuel qui lui a permis de rester dans, comme il dit, et très au courant, y compris de ce qui se passait dans le monde. Hein. Ça, il nous a toujours bluffé vraiment là-dessus. Hein. Et alors qu'il avait des conditions carcérales extrêmement dures. Hein. Il vivait, comme il l'écrit dans son bouquin, dans Direct du couloir de la mort, il passait 23 heures sur 24 enfermé dans une cellule individuelle, ne fréquentant jamais un autre prisonnier, ne croisant jamais un autre prisonnier. Hein. Et il sortait 1 heure par jour, grand maximum. Il n'y a jamais de contact entre eux, hein, dans le couloir de la mort. C'est, on peut rester 10 ans sans contact, quoi. 10, 20 ans, c'est ça. Hein. Voilà, 30 ans, lui, 30 ans. Mmh. 30 ans. Oui, lui, 30 je ans, sais que c'est 30 contact. Ans, oui, oui. Sans contact. Mmh. Les seuls gens qu'il voyait, c'était les matons. Hein, mmh. Voilà. Hein. Qui venait lui apporter à manger dans sa cellule et qui repartait. Mmh. Voilà. J'ai perdu le fil, là. On parlait justement de l'hépatite C. Oui, donc Mumia, il a été... Donc sa peine, au bout de 30 ans, c'est pas 30 ans, la durée n'a rien à voir, c'est qu'il a fini par obtenir, effectivement, une décision de la Cour suprême des États-Unis qui avait fini par reconnaître... un certain nombre d'anticonstitutionnalités de sa condamnation à mort. Mmh. Hein. Et c'est la raison pour laquelle la peine, au bout de 30 ans, a été commuée en prison à perpétuité, ouais. Hein. Sans possibilité de libération conditionnelle. Mais, il est sorti du couloir de la mort, c'était en 2011, et là, il a eu des conditions carcérales qui ont évidemment été quand même améliorées, et qu'il a tout de suite, il a vu la différence avec le couloir de la mort, bien que ce soit toujours une prison, en tout cas, il a la possibilité de lien social,
dans des cours collectives pour prendre l'air, si je puis dire, plusieurs fois par jour. Il fréquentait, il s'est mis un peu à travailler dans la prison, mais bon, pour pas faire des choses forcément qu'il aurait choisi. D'accord. Mais puisqu'en gros, lui, il était ce qu'il est toujours aujourd'hui d'ailleurs, il était affecté à l'unité qui nettoyait la prison en fait en permanence. Hein. Et particulièrement tous les locaux sanitaires, hein, c'était plus sa spécialité. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il s'occupait des poubelles pendant plusieurs années aussi, hein, de la prison. Enfin, donc il avait l'obligation de travailler là. Et pour revenir justement sur les cas d'hépatite, je pense que c'est une maladie qui est transmise justement au sein des établissements pénitentiaires. Oui, tout à fait. Donc il a été évidemment en prison. Hein. Il a jamais pu identifier véritablement comment il a. Mais parce qu'il a fait l'objet. Comme il n'a jamais été malade, il n'a jamais eu aucun vaccin ni aucune. Il n'a jamais eu aucune piqûre, rien. Je veux dire. Mais il pense que finalement cette maladie, qui est comme tout, une sorte de cancer en fait, hein, il pense qu'il l'a chopé lors de sa transfusion de sang qu'il a eu à plusieurs reprises lorsqu'il a été en 1981, qu'il y a eu Faulkner qui a été assassiné et lui à côté qui gisait dans un bain de sang puisque il avait été aussi atteint d'une malle, hein, et il avait perdu pratiquement la moitié de son sang là. Il a fini à l'hôpital, et là, il a eu beaucoup de transfusions les 6 mois où il est resté à l'hosto. Il a eu des transfusions, et il pense que c'est le seul moyen, parce que ça se transmet essentiellement par le sang. Hein. Donc, il pense qu'il l'a chopé là. Mais pendant 30 ans, ça dormait dans son corps, et lorsqu'il est sorti du couloir de la mort, dans la prison de moyenne sécurité où il était, petit à petit, il se sentait de plus en plus faible, il avait beaucoup maigri... Enfin, je peux vous le dire parce que moi, j'ai rencontré aussi à cette époque, à la fois quand il était dans le couloir de la mort et après, effectivement, il avait commencé à changer physiquement. Hein, alors que c'est un grand balèze, baraqué, etc. Et je crois qu'il y avait un refus là, de l'administration pour le soigner, quoi. Donc là, l'administration disait, mais non, c'est pas ça, ils lui ont filé toutes sortes de cachetons, un peu comme ça, il n'y a pas de médecin de mort, hein. Dans la plupart des prisons américaines. Hein, au mieux, il y a une infirmerie, c'est un peu l'armée, quoi, hein, comme à l'armée. Dans son cas, sa situation ne s'est pas arrangée. Il s'est mis à faire de l'eczéma. Enfin, il a eu toutes sortes d'effets, ça a engendré. On ne savait pas à l'époque que c'était l'hépatite C. Et puis un jour, il est carrément presque tombé dans le coma. À la prison, ils ont eu la trouille. Ils l'ont transféré sans même avertir son avocat, son équipe de défense, et sans même avertir sa famille, à commencer par sa femme, hein, il a été transporté dans différents hôpitaux de la région, hein, et effectivement, il a fait un coma diabétique. Hein, il a fait un coma diabétique. Là, je me souviens, à l'époque, je m'étais rendu sur place, puisqu'on avait obtenu un droit de visite avec une petite délégation française, et on n'a pas pu savoir, on s'est rendu à la prison, puisqu'on avait un droit de visite, et à la prison, on nous a dit, bah voilà, il est malade, il est à l'hôpital. Comment ça, à l'hôpital? Où à l'hôpital? Ben ça, on n'a pas le droit de vous le dire, etc. Enfin, bon, ça s'est pas bien passé, notre rapport avec l'administration pénitentiaire. Hein. Et nous, on a passé notre temps pendant 3 jours, sur place, à faire le tour des hôpitaux pour tenter de trouver où il était. Parce que nos amis américains, qui menaient la même bataille, eux étaient catégoriquement rejetés par l'administration pénitentiaire. Et c'était il était interdit, l'administration pénitentiaire refusait de dire dans quel état il était et pourquoi il était à l'hôpital et dans quel état il était. Hein. Et nos amis américains ont mené des opérations un peu de commando dans différents hôpitaux et on a fini par savoir que effectivement il était à tel hôpital. C'était bien un des hôpitaux dans lesquels on s'était rendu, nous, mais on s'est aperçu qu'il y avait un climat bizarre parmi les hôpitaux qu'on avait fréquentés, en tout cas celui où il était, mais à l'époque on nous avait dit qu'il n'y était pas. Je me souviens qu'on était resté couché à l'hôtel le soir, pas très loin de l'hôpital en question. On était revenu le lendemain matin à l'hôpital, et là, on a compris que très vraisemblablement il était dans cet hôpital, mais le corps médical n'avait pas le droit de communiquer avec nous. Hein. Donc en fait, c'est là qu'a été découvert le fait qu'il était atteint d'hépatite C, hein, il était en situation de coma diabétique, et ensuite. Ben, il a été ramené quand ça allait un petit peu mieux. Il n'avait pas de traitement particulier. Hein. Ils l'ont ramené donc quand il était en état physique de pouvoir être ramené à la prison. Il a été ramené à la prison et à la prison s'est engagé à partir de là la bataille à partir du moment où
un médecin, on n'a pas obtenu qu'un médecin indépendant puisse lui rendre visite, parce que toutes les communications qu'on avait, c'était le corps médical de la pénitentiaire, hein. On n'a pas obtenu donc, on n'a pas obtenu le, l'autorisation. On n'a pas obtenu, ils ont refusé effectivement qu'il y ait un médecin indépendant qui puisse. Mais on a réussi quand même dans plusieurs contacts téléphoniques et par intermédiaire. Je rentre pas dans les détails parce que c'est pas très important du point de vue de l'affaire, mais ça montre que dans quelles conditions tout ça s'est déroulé. Mounia était encore dans une situation extrêmement grave quand il est revenu, quand ils l'ont envoyé. Il a été à peu près un mois à l'extérieur. Sans qu'on sache exactement de quoi il s'agissait. Et dès que ça a été un tout petit peu mieux, on l'a renvoyé, malade comme il était avec son hépatite, on l'a renvoyé à la prison, et ensuite, on a réussi effectivement à mieux cerner, à finir par faire admettre par l'administration pénitentiaire que c'était une hépatite qu'il avait, d'accord. Et c'était l'hépatite C. Et tout ça, ça a duré combien de temps? Ça, on a mené une bataille, alors ensuite, il y a eu une bataille judiciaire, là, j'étais très court, une bataille judiciaire qui a duré quand même 2 ans, hein, avant qu'on obtienne pour la première fois la condamnation de l'administration pénitentiaire qui donnait pas à Mounia la possibilité de se soigner, c'est-à-dire de bénéficier d'un médicament miracle qui a été découvert par un labo américain et qui est d'ailleurs c'est le seul qui existe dans le monde aujourd'hui, hein, pour soigner l'hépatite C, parce que contrairement au cancer, ils ont trouvé un médicament qui éradique à 95% le virus de l'hépatite C, à condition effectivement d'être donné au moment opportun. Pas à la veille de la mort de tel ou tel, hein, atteint de cette hépatite. Et donc, on a gagné ce procès. Mounia a bénéficié du médicament et ça a fonctionné. C'est un médicament qui est pris sur une durée de 3 mois et au bout de 3 mois, Mounia était sorti d'affaire. Le virus avait été éradiqué. D'accord. Et la bataille judiciaire a duré combien de temps? Elle a duré 2 ans. Ça a eu une répercussion sur toutes les prisons quasiment de Pennsylvanie, qui est l'état dans lequel Mounia, dans lequel il a été condamné, et dans lequel il est toujours en prison, et ça a bénéficié à beaucoup d'autres prisonniers qui étaient atteints, puisqu'on estime, à l'époque, lorsque Mounia a obtenu le médicament, ben c'est l'administration pénitentiaire qui donnait pas des chiffres toujours très fiables, mais par recoupement avec le corps médical, etc., on pense qu'il y avait à peu près 6 000 prisonniers qui étaient atteints de l'hépatite C. Ça, c'était en 2015. Et il y a d'autres États, je pense à l'État de New York en particulier, qui, dans la foulée de cette affaire, qui a fait quand même du bruit, l'affaire Mounia et l'hépatite C, là, plusieurs États, dont celui de New York, qui a décidé d'investir et de donner ce médicament à tous ceux qui étaient atteints. Hein. Mais il y avait un autre problème derrière, qui était un vrai problème, c'est qu'aux États-Unis, ce médicament, c'est un cachet par jour pendant 3 mois, donc ça fait en gros une petite centaine de cachets à prendre, hein, sur une durée de 3 mois. Ça coûte, écoutez bien, ça coûte 100 000 $. Ouais. C'est énorme, énorme. Et rappelons que oui, il n'y a pas de sécurité sociale aux États-Unis, hein, donc. Là-bas, il n'y en a pas. Voilà. Je voulais savoir, est-ce que l'affaire de la mort de George Floyd a eu un impact justement sur la. Sur la lutte par rapport à Mumia? Oui, elle a requinqué, passez-moi l'expression, elle a ravigoté complètement dans la foulée de tout ce qui s'est fait autour de l'assassinat de George Floyd. Rappelons-le par un policier. Les manifestations, par exemple à Philadelphie, il y a eu des manifestations qui ont reconquis et à la fois beaucoup de monde. Et la jeunesse et à plusieurs reprises, dans toute la période où il y a eu les manifestations qui sont développées partout aux États-Unis, et là, pour parler, y compris à Philadelphie, je veux dire, des manifestations spécifiques à la situation de Mounia, pour demander sa libération. Ah oui, ça a eu des échos importants. Ça a sensibilisé les jeunes entre. Oui. Il y a beaucoup de jeunes à Philadelphie engagés, mais vous en rendez compte, une affaire qui traîne depuis 40 ans. On peut comprendre qu'il y a eu des hauts et des bas, y compris dans le monde militant. Hein. On peut clairement parler de cette imprisonnie politique, en fait, Mumia. Oui, bah, bien sûr. Il était depuis toujours repéré comme quelqu'un de potentiellement dangereux. Dangereux du point de vue de sa notoriété et qui plus est, défendant des idées aux États-Unis qui vont tout à fait à l'inverse de ce qu'est la.
la politique impérialiste de ce pays, de tout ce qui est insupportable au sens social, du racisme qui perdure dans des conditions, je dirais, 5 étoiles par rapport à la France. Hein. Parce que j'ai envie de dire... 5 étoiles dans le domaine. Hein. Bon, Boumia était quelqu'un qui... Bon, on a toujours dit que Boumia ne viendrait pas président des États-Unis, mais en tout cas, il semait des ingrédients qui étaient considérés dangereux par l'institutionnel américain. Justement, je vais en venir au président des États-Unis. Il pourrait y avoir un passe-droit, c'est la grâce présidentielle, où je crois qu'aux États-Unis, un gouverneur peut gracier un prisonnier, hein, c'est bien ça. Non. Le président nous a souvent posé la question, surtout quand Obama avait accédé à la présidence. Mais pourquoi Obama ne fait rien, etc. Obama, le président des États-Unis, n'a le pouvoir de grâce que sur les condamnés fédéraux. D'accord. C'est-à-dire ceux qui sont condamnés selon la loi fédérale. Hein. Et Moumia étant comme 95% des condamnés à mort, hein, et plus généralement des condamnés pour d'autres délits, pas forcément seulement pour les homicides, et pas seulement pour la peine de mort, sont condamnés selon la loi des États. Et la proportion est à peu près, pour en tout cas ceux qui sont condamnés à mort, c'est qu'il y a 5% qui sont des condamnés à mort fédéraux et 95% qui sont condamnés à mort selon la loi des États. D'accord. Les États qui pratiquent encore les condamnations à mort, voire les exécutions. Donc la loi des États prenne le dessus sur la loi... La loi des États, qui dit loi des États, Moumia est condamné en Pennsylvanie, était condamné par la justice de Pennsylvanie. Seul le gouverneur de Pennsylvanie dispose de ce pouvoir. Je voulais savoir, là, justement, parlons un peu de l'impact d'une mobilisation internationale. Ce qu'elle a apporté pour Moumia, en tout cas, c'est que s'il est sorti du coin de la mort, c'est incontestablement lié à l'action unie entre les soutiens américains à Moumia Abou Jamal et la mobilisation planétaire qu'il y a eu pour Moumia, hein, sous des formes extrêmement diverses et variées, selon les pays, mais en tout cas une ramification sur la planète entière, puisque Moumia est devenu, comme je disais, l'une des figures emblématiques de la lutte contre la peine de mort dans le monde. Hein. Ça a exercé une pression permanente pendant, et ça continue de l'être depuis 4 décennies, qui pour l'instant, souvent nous a posé la question, mais je disais, et on répondait, s'il n'y avait pas eu cette mobilisation internationale, on est à peu près certain que Moumia aurait été exécuté. Hein, et donc, on n'en parlerait plus du cas Moumia Abou Jamal aujourd'hui. Hein. Donc ça a permis d'obtenir, déjà, le fait qu'il sorte du coin de la mort, et d'engager le processus ensuite, qui permet de dégager, si je puis dire, du temps, pas pour lui, mais du temps pour pouvoir continuer de soutenir et de le défendre, tant de manière militante que de manière judiciaire, hein, pour obtenir effectivement, à défaut de la révision de son procès, mais de demander purement et simplement sa libération. Et le combat maintenant c'est celui-là, de demander purement et simplement que ça passe par un nouveau procès ou pas par un nouveau procès, ce qui est défendu à l'échelle planétaire pour Moumia maintenant, c'est l'exigence de sa libération. Alors est-ce que les États-Unis n'auraient pas peur aussi, justement s'il venait à sortir, ceci aurait un impact sur la vision de la peine de mort aux États-Unis? Ah ben je pense que ça a déjà en partie pesé, puisque depuis 40 ans que Moumia est en prison, il y a déjà une bonne quinzaine d'États américains qui ont aboli la peine de mort. Hein. Ça présente déjà une évolution positive, alors pas seulement sur le cas Moumia, parce que des cas Moumia, il y en a plein aux États-Unis. Puis on parlait. Il y en a surtout encore dans le couloir de la mort, quoi. Hein. Mais ça a joué, je veux dire, à la fois sur le cas particulier de Moumia, mais par répercussion. On prenait l'exemple tout à l'heure de la santé. S'il n'y avait pas eu ce procès de Moumia, les prisonniers américains atteints de l'hépatite C, dans la plupart des États, n'auraient jamais bénéficié de ce médicament. Hein. Et là, on se trouvait d'ailleurs, ça a posé un problème constitutionnel tout de suite. C'est parce qu'on ne pouvait pas donner le médicament seulement à un prisonnier. Si on prend l'exemple de la Pennsylvanie, ils ne pouvaient pas seulement, parce qu'ils ont été condamnés par la justice, à fournir à Moumia le médicament en question, mais seulement pour Moumia. Ça, c'est la décision de justice, puisqu'elle ne concernait que Moumia. Hein. Mais par voie de conséquence derrière, il y a eu toute une série de procès par d'autres prisonniers ou par des organisations de défense des droits humains qui ont conduit finalement à ce que
à ce que ce soit étendu état par état, puisque c'était pas au plan fédéral que ça pouvait se décider, hein. En tout cas, le fédéral pouvait se décider, mais il ne l'a pas fait, hein. Ce qui veut dire état par état, il y a eu beaucoup de procès qui ont conduit finalement à ce que ces gens puissent se soigner, bien qu'ils étaient dans le couvert de la mort, ils étaient des humains qui avaient le droit effectivement aussi à la santé, hein. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Ensuite, quand Mounia a été il a vu sa peine commuée, comme je disais précédemment, ça a eu des conséquences, hein, y compris à Philadelphie même. D'accord. Parce que par exemple, il y a un nouveau procureur, par exemple, il y a eu 2000 à 2500 prisonniers qui ont été libérés. D'accord. Y compris des gens qui étaient dans le couvert de la mort, pour certains. D'accord. Hein. Donc il y a eu toute cette bataille pour Mounia, elle s'adresse plus généralement, effectivement, à l'ordre, parce que comme quand on nous pose la question de l'enfance, mais vous ne défendez qu'un condamné à mort sur la planète. Ça me dit. Mais non, le collectif français de soutien à Mounia Abou Jamal, il est composé d'une centaine d'organisations françaises et de 25 municipalités qui ont fait de Mounia leur citoyen d'honneur. Je crois que même la ville de Paris, hein. Oui, dont la capitale Paris. Oui, la capitale Paris. Cette bataille n'est pas que pour Mounia. Mounia est un peu le symbole, est un peu le porte-drapeau de notre combat plus général, mais qui vise effectivement à combattre la peine de mort en général. La peine de mort en général, ce qui va avec, je veux dire, hein, bien souvent, c'est toutes les discriminations, elles sont raciales et sociales, hein, en particulier, hein, lui, hein. Mais voilà, donc c'est un combat beaucoup plus large. Nous sommes une sorte de collectif dont la tête d'affiche est Mounia Abou Jamal, mais c'est tout le combat que ça tire derrière. C'est pour ça que ce combat se poursuit sans qu'aucune des organisations qui ont été à l'initiative en France de la création du collectif, aucune d'entre elles n'a quitté, si je puis dire, ce beau combat. Je voulais savoir, un autre condamné à perpétuité qui est connu aux États-Unis, c'est Léonard Peltier. Savoir si les deux hommes avaient un lien entre eux. Écoutez, ils se sont jamais rencontrés. Ouais. Mais ils se connaissent par intermédiaire de leur comité de soutien respectif, hein. Ils ont appris à se connaître depuis que Peltier il était avant, puisque lui il doit être à 44 ou 45 ans de prison maintenant, hein. Donc 5 années de plus que Mounia. Ils ne peuvent pas avoir de rapport ni épistolaire, et encore moins par téléphone, et encore moins pour se rencontrer. ils se connaissent et il y a bien longtemps qu'ils ont uni leur force et leur soutien. Et nous, très souvent, lorsqu'on manifeste Place de la Concorde à Paris, on a nos amis du collectif français de soutien à Léonard Peltier qui... Vous pouvez nous parler de vos rassemblements, justement, à la Concorde? Il a été le premier à eu lieu. Je vous parlais de la manifestation de 95, qui était la première manifestation de soutien en France à Mounia, qui avait rassemblé 10 000 personnes dans les rues de Paris. Depuis, on tenait pendant, tant que Mounia avait 30 ans où il était dans le couvert de la mort, il y avait entre 95 et les années qui ont suivi, jusqu'à 2011, tous les mercredis, chaque semaine, il y avait un rassemblement Place de la Concorde à quelques encablures de l'ambassade américaine. Hein. Depuis que Mounia est sorti du couvert de la mort et qu'il est toujours incarcéré, nous tenons ce rassemblement une fois par mois. C'est le premier mercredi de chaque mois. Hein. C'est toujours Place de la Concorde à quelques encablures de l'ambassade américaine. D'accord. C'est le moyen de rappeler la persévérance du soutien français dans ce combat. C'est un des symboles. En fait. Et ces rassemblements se font dans d'autres villes de France ou ailleurs, dans d'autres pays? À ma connaissance, plus aujourd'hui, mais il y a eu toute une période lorsqu'il était dans le couvert de la mort. Oui, on avait des collectifs importants. Il y avait des rassemblements à Marseille, à Bordeaux, à Montpellier, à Lille, enfin dans la plupart des grandes métropoles. D'accord. Hein. Hein. Ok. Et aujourd'hui, alors voilà, si on est sensibilisé par le cas de Mounia Abou Jamal, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, expliquez-nous un petit peu, la stratégie aujourd'hui de soutien. Le soutien est toujours le même. D'abord, ouais. J'invite tous ceux qui
voudraient connaître de plus près un petit peu cette cause, je les invite à fréquenter notre site internet. On le rappelle? Rappelez-le, allez-y. Oui, qui est le www.mumia, attaché toujours, Mumia, M-U-M-I-A, Bujamal, B-U-J-A-M-A-L. Et même si vous tapez son nom, son prénom et son nom, Mumia et Abu Jamal, vous tomberez notre site, il est référencé comme le premier sur tous les sites internet. Donc il est très facile d'accessibilité. D'accord. Alors là, vous y trouverez plein de choses, outre l'histoire résumée de Mumia, ce dont nous parlons depuis plusieurs minutes ensemble, avec plus de détails, vous aurez à votre disposition tout ce que Mumia a pu écrire en prison, et d'accord, dont beaucoup de ses livres ont été traduits en France, mm-hmm, par notre intermédiaire, et font l'objet d'ailleurs, et sont vendus, non seulement par les éditeurs, mais sont aussi vendus de manière militante par notre collectif, mm-hmm, donc vous aurez tout ça sur notre site, c'est le moyen aussi de collecter de l'argent, sous des formes les plus diverses. D'accord, donc pour les dons, c'est... D'accord, ouais, nous avons une souscription permanente qui est ouverte. Nous avons, par exemple, sur les aspects souscription, c'est un des gros apports que nous avons donné à la défense de Mumia Aboujamal, puisque depuis maintenant 1995, depuis la création du collectif, nous avons à peu près collecté 500 000 euros. D'accord. 500 000 euros. Et la défense de Mumia a coûté, depuis le départ, en gros déjà, plus d'un million de dollars. Ouais. Donc un petit peu moins d'un million d'euros. Mais nous avons apporté près de la moitié de moyens financiers à la défense de Mumia. D'accord. Ça permet de réaliser les enquêtes, de payer les avocats, etc., etc. Mais tout ça coûte très très cher aux États-Unis. Même lorsque vous demandez un document officiel, surtout lorsqu'il s'agit de gens qui sont condamnés, ça peut passer d'une photocopie qui vous coûte quelques centimes à des photocopies où on vous demande, sans rigoler, on vous demande 100 dollars pour obtenir un document. Des documents qui sont normalement à disposition de la défense des condamnés. C'est absolument bon. Oui, c'est... C'est un monde de dingue, si je puis dire, d'un point de vue aussi judiciaire. Voilà. Donc, il y a plein de choses sur notre site. Il y a aussi la possibilité de signer des pétitions. Il y a tout ça, voilà. D'accord. Et en tout cas, de suivre l'actualité permanente, parce que c'est pas seulement... C'est un site très vivant, qui donne régulièrement des informations, au moins minimum une fois tous les 15 jours ou 3 semaines, sur la situation de Mumia et plus généralement sur tout ce qu'est l'environnement de la situation de Mumia Aboujamal, y compris par exemple sur tout ce qui a tourné pendant de nombreuses années autour de la communauté MOVE dont j'ai parlé au début de cet entretien. Il y aura un moyen de pression sur les institutions d'une manière ou d'une autre? Il y a eu des moments où, je sais que sur des sites alternatifs lyonnais, il y avait un appel à écrire carrément à la prison où était enfermé Mumia à l'époque. On mène des campagnes à la fois, les campagnes générales d'interpellation quasi permanente du gouverneur de Pennsylvanie, le chef d'État donc de Pennsylvanie, auprès de, puisque je vous rappelle qu'il dispose du droit de grâce, y compris. Ce que Mumia, je précise, ce que Mumia réfute absolument. Il ne demandera jamais, par l'intermédiaire de ses avocats, de bénéficier du droit de grâce. D'accord. Mumia considère qu'il est innocent et que jusqu'au bout, il se battra pour faire reconnaître son innocence. D'accord. Mais, si le droit de grâce lui était accordé, je crois qu'il ne refuserait pas. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, il y a lui, des campagnes qu'on met aussi auprès du procureur. Ça va couper, je suis désolé. Auprès de l'administration pénitentiaire, à chaque fois qu'il y a des événements ou des privations de liberté, etc., etc. Par exemple, là, les prisonniers sont dans une situation épouvantable avec la Covid, parce que la Covid, les prisons, on n'a pas de statistiques précises, mais il se vit un véritable drame. C'est un univers, évidemment, par définition, fermé, la prison. La Covid n'a pu faire son entrée dans les prisons que par l'intermédiaire des matons, c'est-à-dire des gens qui rentrent... De l'extérieur, oui. Qui font leur boulot dans les prisons, mais qui en sortent tous les jours et qui reviennent à la prison le lendemain. Et là, les prisonniers ne sont pas soignés. Dans très très peu, il y a très peu d'États aux États-Unis qui ont pris des mesures contre le Covid pour protéger et les personnels et les prisonniers, évidemment, par voie de conséquence. Et Mumia, à plusieurs reprises, a fait savoir. Alors, il n'y a plus de, y compris conséquences avec la Covid. C'est aussi le cas en grande partie en France, mais là-bas, ça prend des conditions absolument dramatiques qu'on
compte tenu de ce qu'est forcément, la c'est propagation des clusters. De l'épidémie. Hein, dans les prisons, il y a des endroits où, enfin, je veux dire, la presse américaine plus largement a beaucoup écrit sur ce sujet. Il y a un véritable drame, la situation des prisons avec cette maladie.